match-là, on l'a bien entendu, parce qu'il fallait être toujours devant pour espérer tenir à distance l'adversaire pour qu'il ne puisse pas revenir et avoir confiance. Parce que pour ce genre de rencontre, si l'adversaire a confiance de revenir, elle peut poser des problèmes. C'est ce qu'on a dit aussi, ils l'ont respecté. Collègues, vous savez, le match a été au dernier quart un peu difficile parce que sans revenir. Dieu merci, Alhamdulillah, on a pu remporter le match. C'était ça l'objectif. Dans cette partie, il fallait gérer. Il fallait gérer parce que nous savons qu'elles vont tout faire pour revenir. Essayer de les retenir la distance un peu longtemps. Et là, elles vont plus y croire. C'est ce qu'on voulait chercher. Essayer de les faire lutter jusqu'à ce que c'est le plus possible de rattraper les 21 points. Ça a toujours été un match vraiment dur. Qu'on gagne de 20 points ou qu'on gagne de 1 point, c'est des matchs durs. Parce que Ville de Dakar, je l'ai toujours dit, c'est une très bonne équipe. Elle joue très bien ces filles-là. L'équipe, c'est l'équipe qui me motive tout le temps. Si ça ne va pas, c'est l'équipe idéale. Et vas-y, fais ça, on te donne, fais ça. Si l'équipe est derrière toi, donc tout est possible. La vie qu'on est en finale, donc on doit forcément être prêt. Parce que cette équipe aussi est encore meilleure. Elle joue très bien aussi. On doit vraiment les respecter parce que c'est une très bonne équipe. Donc on doit être prêt pour aller jouer cette finale. Alors, je pense que si on dit non, c'est pas la peine d'aller jouer la finale, vu qu'on a, on s'est fatigué à la demi-finale depuis 4 demi-finales jusqu'ici, c'est qu'on a notre chance. Dieu nous a donné la chance d'aller en finale. Donc on peut avoir la chance de gagner aussi.